C'est en mode Oubi, je connais. Aujourd'hui, deux jours en Côte d'Ivoire, les Oubi se sentent trop sereins. On apprend qu'ils brimougou les enfants dans les hôtels. On apprend qu'ils s'embrassent maintenant sur les ponts. Vous vous sentez trop en confiance. Côte d'Ivoire, c'est un pays béni de Dieu. C'est qu'on entend d'assister. Jusqu'on voit nos enfants de 14 ans, 15 ans, qui se font vivre dans ces plus personne ne parle là. J'ai l'impression qu'il y a une complicité qui ne dit pas son nom. C'est un mot d'ordre des vieux pères ados que nous on attend. Pour commencer à vous babiller dans le pays là. Moi, mais je suis en train de réfléchir pour savoir si je dois me présenter à l'élection présidentielle juste pour vous. Parce que il faut une loi contre les Oubi et les Lélé dans ce pays là. Comme au Togo, comme au Burkina, comme au Cameroun. Un 5 ans d'emprisonnement ferme. Vous n'allez pas croire. J'aimerais officiellement demander à tous les Oubi et les Lélé, vous avez 24 heures pour vous désabonner de ma page. Sinon, c'est pas sûr que vous allez voir 2025. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Veuillez foutre le camp de mon compte TikTok. Vous vous sentez trop en confiance dans le pays quand vous faites Miss Oubi, dans le pays d'ado. Pays de Félix Houphouët-Boigny, la deuxième Jérusalem, le pays béni de Dieu. Les Oubi se sentent trop sereins. Nous, on est un pays béni, hein. Faut pas vous aller à Tiako de vous, seulement déjà en train de détecter, on dit variole des singes, je sais pas quoi, là. C'est votre odeur anustrale, qui est en train de jeter bailoc sur le pays, là. Les Oubi, des jours, là. J'aimerais vous dire officiellement, vous n'allez pas apprécier ce qui va venir, c'est pas bon. On a l'impression que dans le pays, là, les gens ont souvent un peu peur, non, c'est dit ça, peut-être on m'a arrêté. Mère con de tous les Oubi de la Côte d'Ivoire. Mère con de toutes les Lélé de la Côte d'Ivoire. C'est Makoso qui a dit ça. Maintenant, celui qui dit qu'il n'est pas content, ta mère con qu'on peut mettre encore dessus. 5 ans d'emprisonnement ferme. Affaire à suivre. Hey, savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.